Bonjour, c'est Emmanuel de Capté. Dans cette vidéo, on va tout apprendre sur ce que c'est un fichier SRT. On va découvrir exactement ce que c'est et comment l'utiliser. Alors, pourquoi tu veux découvrir ce que c'est un fichier SRT? Peut-être que tu en as besoin sur LinkedIn ou Twitter. En fait, on va regarder ensemble tous ces sujets plus tard. Mais on va déjà essayer de vraiment de comprendre ce que c'est le fichier SRT. On va regarder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du fichier pour comprendre exactement son fonctionnement et pouvoir mieux l'utiliser ensuite. Alors, le fichier SRT, c'est un truc qui est hyper vieux en fait. Je crois que ça existait déjà sur Internet quand moi, je me suis connecté la première fois avec AOL. Ouais, je sais, c'est un truc qu'on n'entend plus du tout parler aujourd'hui. Bon, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, il me semble que le fichier SRT, ça a toujours existé de mon internet. Et donc le fichier SRT, ça s'appelle en fait un fichier sub-rip. Ok, tu pourrais regarder tous les détails sur Wikipédia si tu veux vraiment diguer sur le truc. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un format qui est suffisamment vieux pour être utilisé sur plein de logiciels différents. Je crois que la première fois que j'ai utilisé un fichier SRT, c'était pour regarder un film. Donc j'avais un film en anglais que je voulais regarder avec des sous-titres en français. Donc j'ai téléchargé un fichier SRT que je pouvais coller sur la vidéo. Ce fichier SRT, c'est le même qui va servir dans YouTube, dans LinkedIn, parce que c'est exactement la même chose en fait. C'est une vidéo avec des sous-titres. Alors ce qu'on commence un peu à sentir là, c'est qu'en fait, il y a la vidéo d'un côté et le sous-titre de l'autre. Ce fichier SRT, il contient que du texte et les informations de temps quand afficher ce texte à l'image. Donc c'est un fichier qui est hyper simple, qui est tellement normalisé que c'est pour ça qu'il a percé sur le web et qu'il est utilisé sur toutes les plateformes. Et donc on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. Toi aussi, tu peux ouvrir le fichier en utilisant, si tu es sur Windows, Bloc-Notes, et si tu es sur Mac, c'est TextEdit. Ok, donc là, on est vraiment en train de regarder l'intérieur du fichier SRT. Donc, on regarde ici le fichier SRT que j'ai sous les yeux. Alors, c'est mon ami Gabriel qui est derrière la caméra et donc il m'avait envoyé une vidéo avec juste cette petite phrase qui est « Emmanuel, tu vas jamais croire ce qui existe encore au BHV ». Alors, ce que tu peux voir, c'est que cette phrase, elle est coupée en trois. « Emmanuel, tu vas jamais croire ». Ce qui existe encore au BHV. Ces trois phrases, elles sont numérotées. Il y a la première, 1, la deuxième, 2, et la troisième, 3. Donc ça correspond à nos trois sous-titres. Ils vont apparaître à l'écran à trois moments différents. Ce qu'on voit en dessous de ce numéro, c'est le temps. C'est le temps du début d'apparition du sous-titre et le temps de fin d'apparition du sous-titre. Je vais détailler un peu plus ce que c'est cet affichage du temps. Les deux premiers chiffres, ça correspond aux heures. Les deux chiffres suivants après les deux points, ce sont les minutes. Ensuite, ce sont les secondes. Et enfin, les millièmes de seconde. Donc là, on a 0 heure, 0 minute, 0 seconde, 100 millisecondes. Donc sur cette phrase, Emmanuel, tu vas jamais croire, elle va apparaître très très tôt dans la vidéo, puisqu'elle commence à 100 millièmes de seconde, et elle va terminer à 1 seconde et 600 millièmes de seconde. Emmanuel, tu vas jamais croire, ça va durer 1 seconde et 500 millisecondes. Maintenant qu'on sait lire ce timecode, on va pouvoir lire chacune des phrases et dire à quel moment elle apparaît et elle se termine. Donc pour la première, on vient de la voir. La deuxième, elle démarre à 1 seconde et 600 millisecondes et elle termine à 2 secondes, 800 millisecondes. La troisième, elle démarre à 3 secondes et elle termine à 3,3 secondes. Petite différence. Tu vois que la fin du premier sous-titre, 1,6 secondes, correspond au début du second sous-titre, 1,6 secondes. Mais en vrai, on n'est pas obligé de faire en sorte que la fin d'un sous-titre corresponde au début d'un sous-titre. Donc là, sur le deuxième sous-titre, tu vois que tu as 2,8 secondes et le début du troisième sous-titre, c'est 3 secondes. Qu'est-ce qu'on va avoir entre les deux? Eh bien, un blanc à l'image. C'est-à-dire, c'est pas un blanc vidéo, c'est un blanc de sous-titres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-titres qui apparaissent dans les 2 millièmes de seconde entre le deuxième sous-titre et le troisième sous-titre. C'est une respiration. Donc, ce que tu viens d'apprendre, c'est comment lire un timecode. Maintenant que je connais tout ça, je sais tout ce qu'il y a dans ce fichier et comme un pro, je peux ajouter moi-même un autre sous-titre. C'est très simple, j'ajoute une ligne vide, j'ajoute le numéro, donc là on commence à 4, j'ajoute le début du sous-titre, donc 00, 2 points, 00, 2 points, 00, non, pas 00, on va commencer à 4 secondes, virgule 00, j'ajoute la flèche, hop, 00, 0, et on va terminer à 5 secondes et 600 millièmes de seconde. Et on va dire, allez, salut. Et ce que je viens de faire là,
j'ai vraiment ajouté un sous-titre dans mon fichier SRT. Si j'ouvre ce fichier SRT maintenant dans VLC avec la vidéo, tu vas voir qu'il y a bien le « Allez, salut ». Donc là, c'est une cascade que tu peux faire toi-même, à la maison. Tu peux effectivement modifier un fichier SRT que tu as d'un film et voir que dans VLC, que tu as tout de suite le résultat. Et donc maintenant, tu peux ajouter toi-même au fichier le 5, le 6, le 7, le 8. La seule chose que tu dois respecter, c'est à chaque fois les virgules, les deux points, les flèches. Parce que s'il y a une erreur dans ton fichier, tous les sous-titres seront illisibles. Mais tu vas me dire, c'est un peu long, Emmanuel. Et bien sûr que c'est long. Bien sûr que c'est compliqué de le faire directement dans un fichier. Il y a des logiciels beaucoup mieux pour ça. Et donc, on va regarder ensemble comment sous-titrer automatiquement et récupérer un fichier SRT. Ok, c'est parti. On va regarder comment générer automatiquement ce fichier SRT avec Capté. Donc, je tape Capté sous-titre dans la barre de recherche. Je vais sur le site. Je m'inscris. Et donc maintenant, on peut ajouter notre vidéo. C'est à partir de notre vidéo que le fichier SRT va être généré. Donc là, je choisis ma vidéo. Hop. Open. Il faut indiquer quelle est la langue qui est parlée dans la vidéo. Donc ici, c'est du français. Je dois vous dire que j'ai réenregistré la vidéo, vous savez, la fameuse vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, de Gabriel qui disait « Emmanuel, tu vas jamais croire ce qui existe encore au BHV ». Bon, il voulait pas trop que je la partage ici, donc je l'ai refaite, et c'est cette vidéo qu'on va utiliser. Donc une fois que l'upload est fait, toute la magie est faite pour nous. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va écouter la vidéo et écrire le texte automatiquement et placer les sous-titres. Nous, on aura peut-être juste à corriger quelques fautes et repositionner les timecodes si on a besoin. Donc vous voyez que c'est hyper rapide. Là, on a déjà notre vidéo avec les sous-titres. Si j'appuie sur play ici... Emmanuel, tu vas jamais croire ce qui existe encore au BHV. Ok, donc tout était déjà en place, les timecodes sont bons. Ce que j'ai besoin de modifier, c'est qu'ici, je dis ce qui existe encore, ce qui existe encore. Donc vous voyez que cette partie, elle se présente comme un document Word. Je rajoute simplement du texte et ça devient un sous-titre à gauche. Si je veux séparer en trois sous-titres comme on a fait tout à l'heure, c'était « Emmanuel, tu vas jamais croire ce qu'il existe encore au BHV ». Donc j'ai simplement appuyé sur la touche « Entrée » pour séparer la ligne en deux. Vous voyez que le timecode a été calculé automatiquement, ce qui fait que je n'ai pas besoin de moi le modifier. Et là, je peux rejouer la vidéo. Emmanuel, tu vas jamais croire ce qui existe encore au BHV. Parfait. Petite différence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les fichiers SRT, on avait un timecode de début et un timecode de fin. En vérité, très souvent, le timecode de fin correspond au timecode du début de la ligne suivante. Mais ce qu'on peut faire, c'est ajouter un blanc comme on a ici pour avoir une partie de la vidéo qui est sans sous-titres. Si je refais, hop. Ici, le sous-titre reste à l'écran, alors j'ai fini ma phrase. Donc, j'ajoute une ligne vide. Emmanuel, tu vas jamais croire ce qui existe encore au BHV. Et voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai fini de faire mon fichier de sous-titres, donc maintenant je peux aller récupérer dans le menu exporter le fichier SRT, je clique ici, il se télécharge et il est maintenant disponible, on va pouvoir l'utiliser sur les différentes plateformes. Voici comment ajouter le fichier SRT dans YouTube. Vous êtes sur la partie studio de YouTube, j'ajoute une vidéo, donc c'est la même vidéo qu'on avait tout à l'heure, on a le MP4. Ok, donc maintenant ma vidéo est uploadée, je peux aller l'éditer ici. Je descends dans les réglages, je clique sur plus, et donc là vous voyez importer des sous-titres. Donc c'est là qu'on va pouvoir importer notre fichier SRT. Il contient déjà les données de synchronisation, comme on a vu avec le timecode. Je choisis mon fichier SRT. Et voilà, c'est aussi simple que ça, notre fichier SRT est maintenant disponible sur YouTube. J'enregistre, et c'est tout. On va maintenant voir comment faire pour ajouter le fichier SRT sur LinkedIn. Donc je crée un nouveau post avec une vidéo, j'édite la vidéo pour pouvoir ajouter le fichier, select caption, et voilà, j'ai mon fichier de SRT qui est posté avec ma vidéo. Et donc maintenant vous voyez que ma vidéo apparaît avec les sous-titres. Ok, donc maintenant à toi de jouer. Okay, juste un petit tips en plus, si tu veux créer ton propre fichier SRT depuis le début, ce que tu fais, c'est que tu l'appelles .txt, tu l'édites dans l'éditeur de texte, et une fois que tu as terminé, tu le renommes .srt. Comme ça, tu auras un fichier SRT prêt à être ouvert dans VLC ou sur Facebook, si tu en as besoin sur Facebook. Un dernier truc,
Parfois, ça peut être un peu galère d'uploader un fichier SRT. Par exemple, sur Twitter, il faut avoir accès au Media Studio, qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Dans ces cas-là, tu peux intégrer les sous-titres directement dans la vidéo. C'est quelque chose que tu peux aussi faire dans Capter, et ensuite uploader toute la vidéo avec les sous-titres sur la plateforme. Maintenant, tu es complètement autonome sur les fichiers SRT. Ça veut dire que si un jour tu regardes un film avec un fichier de SRT qui est à côté et qu'il y a des erreurs, tu pourras toi-même les corriger, soit l'orthographe, soit le timecode. On a vu ensemble comment tout faire. Un avantage en plus avec les fichiers SRT, c'est le référencement. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir tout le texte en clair pour les robots de Google. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On a quand même appris plein de trucs. Et donc, il y a un truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu me partages en commentaire toutes les questions que tu peux avoir sur le fichier SRT. Franchement, ça sera un plaisir d'y répondre. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.